Voilà. Alors ici, là, c'est le radar. Ici, c'est le radar. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas avoir de flash, eh bien, c'est de respecter la limitation de vitesse. Donc vous êtes encouragé, hein, ne pouvez pas vous faire flasher, eh bien, respecter la limitation de vitesse. Alors donc là, je suis à nouveau à Grand-Rivière. Alors, je cache un petit peu ma joie, mais je sais pas, quand j'arrive ici, je suis content parce que bon, déjà il faudra essayer le son rentre. Alors voilà, donc là vous êtes encore avec Pacific 500 ou 3002 ou 3004, celui que vous voulez. Donc là je suis encore à nouveau avec Grand-Rivière, donc je passe bon. Alors derrière, là il y a la voiture, mais si je la filme pas, c'est parce que comme il y a la plaque et je voulais pas que vous connaissiez ma plaque, donc je vais pas la filmer. Allez, donc là, dès que j'arrive ici, je vous dis, je suis content. Je bégaye tellement, je suis content. Regardez, voilà. Alors là, là-haut, si vous voyez bien derrière l'arbre, il y a une sorte de fumée qui montre que, je pense que c'est la montagne Pelée, ou bien une montagne qui montre qu'on est arrivé, eh bien, à un sommet. Alors je vous laisse voir, je vais essayer de me rapprocher. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de nuages. Là. Donc là, par là, il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de nuages. Voilà. Alors il y a des voitures qui viennent, donc j'arrête. Voilà, alors donc là, là vous voyez, j'espère qu'on blague, que vous voyez bien, regardez là, là, là. Alors, de là où je suis, je vois qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de nuages sur la montagne, là. Si vous regardez bien et qu'on filme, vous allez voir qu'il y a une sorte de... qu'il y a une sorte de tapis de nuages qui recouvre la montagne. Donc visiblement, nous sommes à des hauteurs qui montrent que nous sommes près des nuages. Donc c'est un petit peu un cadre un petit peu spécial, et vous voyez, c'est le genre de choses qui m'attire. Alors j'ai pas encore trouvé de route qui me permet de monter là-haut, mais je pense qu'avec le temps que je vais trouver. Alors là, comme il y a une voiture qui arrive, donc je vais arrêter de filmer, je vous dis bye. Alors je reprends ma vidéo, la suite de tout à l'heure là, comme il y a des voitures, donc voilà, je pense que là vous voyez bien. Vous voyez là. Alors de là où je suis là, là où je passe ma main là sur l'écran, là tout ça c'est nuageux. Alors j'ai pas encore trouvé de route qui me permette d'y arriver, mais je pense qu'avec le temps, à force de revenir ici à Grand-Rivière, finir par trouver le moyen d'arriver aux montagnes que vous voyez qui sont là. Alors ça m'attire grandement parce que dans des endroits comme ça, il y a des sources d'eau, il y a des choses qui sont bonnes pour la santé qu'on ne voit pas forcément partout. Et c'est pour ça que ça m'attire. Je sais que s'il y a forcément dans des endroits cachés comme ça, inaccessibles au monde, il y a des choses dans la nature qui ont une vertu très, très thérapeutique pour le corps. La preuve, c'est dans des endroits inaccessibles. Alors je vais essayer avec le temps qui passe de monter dans des endroits pareils, pas tout de suite parce que de toute façon je travaille à l'hôpital, mais comme je travaille à l'hôpital, ça me fatigue un petit peu. Donc quand j'aurai le temps, surtout sur mes jours de congé, je vais essayer de me rendre dans des endroits comme ça et les filmer et puis les partager avec vous. Donc ça sera pour plus tard parce que le problème c'est que mon travail me fatigue un petit peu. Allez, je vous dis à bientôt, ça fait bientôt une minute, à bientôt, bye. Alors là je suis toujours à Grand-Rivière, donc je vous laisse voir la mer. Alors j'ai trouvé une belle place au niveau du fond de la mer, là où il y a le restaurant, où je vais pouvoir faire des animations musicales au cours de l'année. Alors c'est là que je vais pouvoir vous inviter au fur et à mesure du temps. Donc il va falloir quand même que je fasse un investissement au niveau de la sonorisation parce que pour le moment il n'y a pas de son. Donc je suis obligé de faire un investissement conséquent pour le son. Et puis lorsque j'aurai le son, je vais vous inviter. Alors il y a le restaurant juste à côté, donc c'est pratique, il y aura à manger. Et plus la musique. Donc moi qui vais faire mes concerts à Grand-Rivière. Je pense que vous avez compris que c'est la raison pour laquelle je parle du temps de Grand-Rivière, parce que de toute façon j'ai prévu de faire des animations musicales. En tout cas mes premières en public ce sera à Grand-Rivière. Donc je vous dis à bientôt. Alors donc là X500 3003. Donc là je suis dans la voiture, hein, voilà, je suis à Grand-Rivière. Donc vous avez compris que hein, Grand-Rivière, voilà. Oh, je vais déguster, hein. Donc je vais déguster quoi? Je suis allé donc au restaurant. J'ai commandé un plat, hein. J'ai rajouté de l'avocat, hein. Pour savourer. Oh, donc je vous le montre le plat, je vous le montre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons poulet frites, hein. Oh là là. Avec de l'avocat, oh là là, délicieux, savoureux, appétissant. Je sais déjà que je vais me régaler. Hein. Je vais me régaler devant vous sur internet. Hein. Voilà, on va dire que ça, on s'entend donc vivre dans le plaisir. Hein. En plus, c'est le partage sur internet. Hein. Tu prends une petite frite. Hein. Oh. Un petit peu d'avocat. Un petit peu d'avocat. L'avocat. Oh.
Alors là où je suis, je vois des moutons sur ce petit bout de terrain. Je sens qu'en mangeant comme ça que... Je vais donner plaisir. Alors j'ai des collègues de travail qui m'ont dit que... On a dit que quand je mange, en tout cas comme ça, avec amour... On m'a dit que je jouis. Alors je n'aurais pas donné tort. Mais... je ne jouis de plaisir devant vous. Il m'a pas donné quel niveau de jouissance que c'est. Mais quand il m'a dit ça, j'ai eu le sentiment qu'il a eu raison, mais je n'ai pas manqué. Effectivement, je pense qu'effectivement, il a raison en disant que ça en tombe, t'inquiète, j'ai qu'à mourir. Jouis en mangeant, tellement il éprouve de plaisir. Le repas m'aide à dire, putain. En plus, j'ai mon avocat qui glisse. Mon avocat. Qui fond dans la bouche. Je me sens bien qu'en rivière. Personne ne me connaît. Personne. Sauf ceux que je vois de temps en temps. J'ai le sentiment de commencer, je vous dis. Une nouvelle vie. Que je vais pouvoir prendre un petit bout de mon poulet. Un poulet délicieux. C'est pas n'importe quel poulet, c'est... délicieux. Appétissant. C'est parfumé. Et un tout petit peu de piment dedans, pas trop. Oh là là. Oh là là, oh là là, alors là, je sais pas si je jouis, mais... Alors ça a bien changé, regardez. Alors vous voyez, il y a du sable. Donc je vois qu'ils vont faire des travaux. Je suis garé en bas, là. Là, il y a le pont. Et vous voyez qu'ils font des travaux. Je t'aime. Je t'aime, un grand rivière. Mon amour. Je t'aime au pont où il y a un 30 mètres de vide. Mon amour. Mon amour se décuple pour toi quand je suis à grand rivière. Je sens que je t'aime un plus. Bisous, mon amour. Alors, comme vous voyez ici, je me suis rapproché un petit peu des montagnes. Donc, vous voyez, derrière moi, il y a la montagne. Où je vous disais, à grand rivière, que je voyais les nuages. C'est là. En allant en Ajoupa Bouillon, j'ai trouvé cette route.